Oh non, c'est pas possible. Jérémy, il faut que tu m'aides là. Lily Rose, elle se réveille. Jérémy ? Jérémy ! Eh oh ! Oh non, c'est pas possible. Il a la même chose. Eh oh ! Jérémy ! Oh non, c'est pas possible. Bon, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une catastrophe, là ça commence extrêmement mal. On devait faire une vidéo avec Lily Rose, Peppa Pink, Jérémy. Il y avait aussi le cousin relou, on devait tous faire une vidéo ensemble qui était trop bien pour Noël. Enfin bref, on la fera, je vous expliquerai plus tard. Mais une vidéo de Noël qui devait être trop bien. Sauf que là, il y a Lily Rose, d'un coup, dès qu'on a démarré la vidéo, elle est tombée par terre, comme ça, d'un coup. Peppa Pink, il est tombé par terre aussi d'un coup comme ça. Le cousin relou par terre, comme ça, il est tombé. Oh, Jérémy, t'es le seul qui pouvait m'aider là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh oh, non, il bouge vraiment plus. Regardez, je crois qu'il respire même plus. Attends, il bouge plus du tout. Ok, là, les amis, il faut que je trouve une solution pour les réveiller. Parce que j'ai même pas l'impression qu'ils respirent là, c'est hallucinant. Bon, je vais aller vous montrer Lily Rose là qui est totalement allongée par terre. On a commencé dans le sous-sol parce que on devait aller acheter un sapin XXL. En gros, ça devait commencer comme ça la vidéo de Noël. On allait acheter un sapin, j'ai commandé un sapin qui fait 3 mètres, enfin qui est vraiment énorme. Ça va être incroyable. Sauf que. Ah! C'est quoi ça? Attendez les amis, je mets ma lumière. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais c'est une blague. Pourquoi il y a la poupée maudite? Elle était... Les amis, je vous jure, elle était pas là. Elle était pas là quand... Oh, c'est pas possible. Parce qu'on a commencé, on a tous commencé la vidéo dans le garage. Attendez. Vous êtes là? Lily Rose? Lily Rose? T'es là? Non mais c'est une blague. On a commencé la vidéo ici, on était tous là, on a dit ouais, on a loué un camion pour mettre le sapin, etc. Ce qui était vrai. Bah d'ailleurs le camion il était là. Il est parti où? Il n'y a plus que la voiture. Là c'est la voiture de Jérémy. On avait loué un camion pour mettre le sapin, il est plus là du tout. Et oh, mais même ouais, non mais là je suis tellement perdu les amis, je commence à perdre les mots, à raconter n'importe quoi. Lily Rose elle était là avec Peppa Pink. Et le cousin relou, ils étaient là, moi j'étais en train de filmer, ils étaient comme ça. Et là d'un coup ils sont tous tombés par terre devant le camion. Bon, écoutez, là les amis, je vais aller voir si Jérémy est là. S'il est plus là non plus, c'est qu'ils ont tous disparu. Et que... Ah, vraiment, elle arrête pas de me faire peur. C'est à cause de toi? C'est à cause de toi qu'il y a tout ça ou pas? Cette poupée maudite. Ça tombe, elle leur a jeté un sort. Décidément, elle nous pourrit vraiment la vie. Ah non, c'est bon. Jérémy ! Oh là là, c'est bon, t'es là. T'as quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, j'ai fait dodo, moi. Comment ça, t'as fait dodo ? Mais tu respirais plus, tu bougeais plus. Ah, je sais pas, j'ai bien dormi. Attends, je vais t'expliquer ce qui se passe. De quoi ? Viens, remonte. Ouais, remonte. Ouais, il faut qu'on reste ensemble. Faut qu'on reste ensemble. Je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé, c'est incroyable. Quoi ? Viens. Lily Rose et Peppa Pink, tu vois, j'ai démarré la vidéo là, ouais. De Noël. Où ouais. On devait aller acheter un sapin XXL, des cadeaux pour les abonnés, enfin bref, plein de choses. Bref, oui. Et j'ai démarré la vidéo, ils sont tombés par terre dans le garage, ils respiraient plus, ils bougeaient plus, ils étaient tous les trois par terre avec le cousin relou et Peppa Pink. Ils sont là, ils sont en bas? Normalement, ils sont tombés par terre dans le garage. Ouais. À côté de ta voiture là. Ok. Et à côté de la camionnette qu'on avait louée. Ils sont tombés par terre. Moi, je démarre une vidéo pour. La camionnette, il est bientôt l'heure de la rendre. Non, mais la camionnette, c'est bon, elle est, je sais pas où elle est. Elle est plus dans le garage. On la rentre dans une heure. Ouais, mais ça c'est pas grave là. Si. On a perdu Lily Rose et Peppa Pink. Ils sont tombés dans les pommes, ils étaient par terre. Je viens de voir pour que t'essaies de régler le problème. Oh, moi t'étais par terre, t'étais par terre aussi, tu bougeais plus comme eux. Et d'un coup on les trouve plus. Ok. Ils ont disparu. J'ai pas de solution. Eh bah super, t'as pas de solution. Non. Mais au moins et en plus il y a un truc bizarre, c'est qu'il y a la poupée maudite dans le sous-sol. Elle était pas là. Alors je sais pas si ça a un rapport avec elle. Parce que les amis, la poupée maudite, elle se déplace toute seule chez nous. Des fois elle apparaît dans une pièce, des fois en pleine nuit elle est à côté de moi dans le lit. Enfin c'est infernal. Du coup peut-être que ça n'a pas de rapport avec ça. Bon, je vais quand même essayer d'appeler Peppa Pink. On sait pas. Ils sont plus en bas, du coup. Bah je sais pas si... Enfin j'allais dire leur corps a disparu. J'espère que voilà. Mais ils ont totalement disparu. Bon,
Les amis, j'appelle Peppa Pink, j'espère qu'il va trouver une solution. Mais c'est... Allô ? Oui. Allô, t'es où ? Allô ? Oui, je suis dans la voiture, oui, qu'est-ce qui se passe ? Lily Rose, elle est avec toi ? Bah non, elle est pas avec moi, pourquoi ? Elle est... Attends, c'est bien Peppa Pink ? Ah oui, c'est Peppa Pink. Allô ? Pourquoi ? Oui, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe ? Attends, je te rappelle. Apparemment, il est dans la voiture. Mais comment ça, la voiture ? Dans la camionnette ? Mais non, il a dit dans la voiture. Mais dans la voiture, elle est en bas, non ? Et il est pas avec Lily Rose. Attends, la voiture... Si la voiture est là en bas avec la camionnette. Non, mais c'est pas ta voiture, à mon avis, il est parti avec sa voiture. Bon, les amis, je comprends plus rien. Peppa Pink est... Pourquoi il est pas venu nous voir dans ce cas-là ? Peppa Pink est parti tout seul. Lily Rose, il sait pas où elle est. Le cousin relou, il en a même pas parlé. Les trois étaient ensemble, donc... Les trois étaient ensemble. Et puis, on devait aller chercher le sapin, ils étaient tous au courant. Ils sont pas partis chercher, justement. Bah non. Mais non, non, c'est pas possible. Bon, là, les amis, il y a un truc très, très louche, très bizarre. Soit c'est un faux Peppa Pink qui m'a parlé au téléphone. Et dans ce cas-là, où est-ce qu'ils sont passés ? Bon, t'as une idée ou pas ? Attends, j'ai reçu une notif. T'as reçu un message ? Ouais. C'est qui ? Je sais pas, j'ai reçu une capture d'écran, il écrit Paris. Paris ? C'est quoi ça ? Je sais pas. Mais c'est la ville. Oui, c'est... Montre ! Je sais pas, on m'a envoyé ça. C'est quoi ça ? Pourquoi une carte de Paris ? Y'a quelqu'un qui vient t'envoyer ça par message ? C'est un numéro que je connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attends. Les amis, je vais regarder si j'ai reçu des messages. Mais non, ils sont pas partis à Paris. Je vois pas pourquoi ils seraient tombés dans les pommes. C'est mon téléphone, ça. Allô ? Allô ? Comment ça ? Non mais... Allô ? C'est une blague ! Eh oh ! C'est pas possible. C'était qui ? C'est quelqu'un avec une voix bizarre. Non, c'est une voix différente de d'habitude. Il m'a dit... Si tu veux les revoir, suis Jérémy. Ils ne sont plus ici. Suis Jérémy ? C'est pour ça que c'est ce truc de Paris ? Mais ça tombe, il faut aller à Paris pour les récupérer. Oh non, je veux pas jusqu'à Paris. Les amis, là c'est incroyable. À mon avis, il s'est passé un truc de fou. Quelqu'un leur a donné une potion pour qu'ils s'endorment. Ils se sont endormis. Et ça tombe, il y a quelqu'un qui les a mis dans la camionnette et ils sont partis direction Paris. Bon bah c'est ça. Il faut aller les chercher, il faut aller les aider. Bon bah on n'a pas de temps à perdre, là, moi je vais acheter. Bon les amis, là on n'a pas le choix. Il faut qu'on prenne la voiture. Heureusement, il reste la voiture de Jérémy. Bah comment il a pu monter là ? Je sais pas comment il est monté. C'est toi qui l'as mis là. Il vient d'arriver à l'instant. Il était sur la poutre, les amis. Bon, enfin bref, on n'a pas le temps. Il faut aller prendre la voiture de Jérémy. Et là, direction Paris, on n'a pas le choix. Là, on a à peu près 2h, 2h30 de route. J'espère qu'il n'y aura pas de bouchons, etc. En tout cas, les amis, restez connectés sur la chaîne parce qu'à mon avis, on va filmer toute l'aventure dans une autre vidéo. Vous inquiétez pas, on va vous montrer tout ce qu'on va faire à Paris pour récupérer Lily Rose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur une vidéo qui apparaît juste là. Allez, ciao.